Hundreds of years ago, this world was nearly exhausted when a dramatic event almost wiped out all civilization. Billions died. But humans and machines are resilient species. A few decades later, we were back. Back in the skies of a shattered planet. Bending the knee to corporations turned into totalitarian states. Or fighting for our survival. Traders. Engineers. Pilots. We are some of the last free men and women. We are citizens of the Ark. We live or we die together. Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Drifting Langs avec la petite intro que vous avez pu voir. Donc un jeu édité et développé par Alchemy, c'est un action RPG shoot'em qu'on a pu connaître dans les bandes d'arcade, si vous avez connu forcément, suivant votre âge, qui ressemble un peu à Space Invaders. Donc on était un vaisseau en bas ou sur le côté et qu'on détruisait les ennemis qui arrivaient. Bon, ici c'est un peu plus évolué, c'est en 2D, 3D, hein, comme vous aurez pu vous en douter. On est à un centre de commandement, donc ici à l'Arche, et on va déployer un peu, on va se déployer plutôt, pour un peu défendre notre Arche à travers les missions. Ici, dans le centre de commandement, on peut voir un peu toutes les missions disponibles. Donc ici, on va... je sais pas c'est quoi le 4, je sais pas si c'est le... durée moyen, mais je sais pas si c'est le niveau de difficulté. Chaque mission, chaîne pour avancer à la suivante. Parcours de débutant, donc ça à mon avis, ça doit être un tutoriel, donc on va aller dessus. On va faire le 1, donc là il y a 3 niveaux apparemment, on va essayer de tenter de faire les 3 dans cette vidéo. J'espère, en tout cas, bon déjà la difficulté elle était moyenne, donc j'espère en tout cas ça va pas être trop difficile. C'est pas mon type de jeu d'habitude, mais bon je trouvais plutôt sympa à faire. Donc c'est pas, c'est rare qu'on voit quand même des jeux comme ça, donc je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une vidéo. Alors ici nous on a le petit vaisseau marchand à gauche, on va devoir détruire du coup tous les petits vaisseaux blancs qu'on voit, donc il y a des vaisseaux différents à chaque fois. On a des compétences en bas au milieu que vous pouvez voir, donc ça correspond à la touche A, B, Y, X de votre manette. Et qui va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts en fonction des bobs qui arrivent. Hop. Donc la touche B nous sert à récupérer de la vie parce qu'on en perd assez facilement. Ici c'est des bombes, alors on va essayer de les détruire assez rapidement aussi. La touche A nous sert à tirer un gros missile en face pour pouvoir détruire le maximum de... merde, ça c'est des bombes. Voilà, donc comme ça vous avez pu voir que j'ai récupéré de la vie. Est-ce que c'est une bombe ça? Ouais, c'est des bombes. Ah d'accord, c'est des bombes qui envoient des petites bombes. Donc on va éviter d'aller là-dedans. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on essaie de récupérer de la vie parce qu'on en perd assez rapidement avec les mobs. On va essayer d'en détruire. Ça par contre, ça a récupéré. Aïe, moi je vais dedans comme un con. Donc le jeu est en français. Par contre, l'autre jeu a l'air d'être en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est en anglais. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis? Hop, on détruit tout. Donc le jeu est disponible sur Steam, forcément. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de lien dans la description. Il suffit de faire une recherche dans le magasin Steam. C'est plutôt sympa pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Donc après, comme j'ai dit, c'est assez rare d'en voir. Donc c'est pour ça que j'en ai profité de faire une petite vidéo. Il commence à y avoir beaucoup de monde ici. Hein. Il y a un gros vaisseau, je sais pas si c'est un vaisseau de mer. Hop, on s'en fait plusieurs d'un coup, ça va plus vite. Merde, moi je fonce dedans comme un teubé. Voilà.
Hop, ça arrive en dessous. Bon, les graphismes et la musique, c'est plutôt pas mal, hein, sans le cacher. Par contre, la maniabilité, comme ils disent, vaut mieux jouer qu'une manette, parce que, sérieusement, au clavier, ça doit être hyper pas pratique, déjà, d'une barre. Et pas du tout précis, aussi. Putain, la blinde de vaisseau qui arrive de n'importe où, quoi. Ah, il y a un truc à ramasser. Ouais, mission accomplie. Bon, ça va, c'était pas trop difficile. L'autre coup, j'avais fait une mission, je me suis fait vraiment violer, quoi, d'une puissance. Ah d'accord, faut aller là-bas pour terminer la mission, très bien. Alors, et c'est score final, le score de base, 8000 trucs bidule, mission accomplie plus 1000. Votre part 10%, vous gagnez 903 crédits, d'accord. Alors, je sais pas du tout à quoi sert les crédits, à mon avis, c'est peut-être pour améliorer le vaisseau. On va essayer de voir ça après en se baladant un peu dans le centre de commandement. Donc là, ici, on va se faire les 3 missions d'un coup, hein, forcément. Donc apparemment, le truc assez intéressant, c'est que quand on voudra refaire une mission, c'est généré aléatoirement au niveau des pops de vaisseaux. Du coup, ce qui peut être différent à chaque fois, c'est de pas faire la... Enfin, rejouer la même mission, mais pas faire exactement les mêmes enchaînements pour tuer les mecs. Donc c'est plutôt intéressant. Hop. Non, je voulais que tu meurs, toi. Ah, bâtard. Aïe, je prends le tarif. Donc ça va. Je pense que dans le côté RPG, c'est parce que il y a des compétences avec des recharges. Par contre, attends, là, moi, je veux passer, là. Donc il y a des compétences et le recharge, après je suis level up, reste du coup à tuer tous les mobs qui arrivent en face de nous. Par contre ici je me fais ken un peu là. Heureusement qu'il y a du soin parce que sinon je serais vite mort. Hein. C'est chaud quand même. On dirait pas mais c'est chaud. Il y a un truc là-bas. Autant tuer 2-3 d'un coup. A mon avis, ouais, en gagnant aussi des crédits, ça sert à améliorer son vaisseau et faire beaucoup plus de dégâts, à mon avis. Wow. Ah putain, il y a plein de gros vaisseaux derrière. Tant pis. Hop. On y va à l'arrache. Bon, je vais prendre les points surtout. On va se heal là, parce que la vie baisse beaucoup, enfin assez rapidement sur les bombes. Ah, faut focus. Il faut focus. Moi, je fonce dans les vaisseaux, rien à péter quoi. Allez là, mourez! Mission accomplie! T'as, j'ai oublié de ramasser un truc. Là, il y a un truc. Hop, on ramasse ça. On se tire! Ça va, la mission là était rapide par rapport à l'autre. Hein. Par contre, j'ai fait beaucoup plus de points dans cette mission que dans la première. Donc là, on va se diriger vers la troisième mission. Je pense que c'est des tutos hein, vraiment pour expliquer à quoi servent les compétences et tout ça. Rien de méchant. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours détruire tout? J'ai l'impression qu'il faut rester dans le truc au milieu pour gagner beaucoup plus d'énergie. Oh, j'ai plus de tarif moi. Quand je reste dans le truc du milieu, en gros, il y a une barre jaune qui monte. Je sais pas à quoi ça correspond la barre jaune. Oh, putain, par contre là, il y a... Quand je reste dedans, il reste 3, 4, je sais pas à quoi ça correspond.
Allez, mourez! Putain, je perds tarif. Enfin, je prends tarif surtout. Je sais pas à quoi c'est ça de rester dedans. Putain, alors, on va éviter tous les boules vertes, quoi. Le pire, c'est que ça arrive de tous les sens, quoi. Hop. On tire dans le... Wow, y a trop de bouboules vertes. Ça, on prend. Après, je pense que la mission là, on va retourner au centre de commandement et on va aller voir un peu ce qu'il y a dans l'hangar, ce qu'on peut modifier au niveau du vaisseau. Putain. En tout cas, ça va, c'est sympa comme jeu. J'aime bien. Vas-y, on tente que ça bat les couilles. Oh ouais, par contre j'ai pris tarif là. Toi tu te barres pas. Oh. Putain, mais tous les missiles qu'il y a! Putain, mais c'est hyper loin à le détruire! Wow, y'a trop de... Non! Ah non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Je croyais que j'étais mort. Putain, ça faut le récupérer. On fonce! Bah les couilles! Wow! Ça fait mal! Ah mais il y a des trucs qui font hyper mal quoi, les bombes ça fait hyper mal. Mission accomplie, putain ça va. De justesse je pense. Alors, logiquement ça devrait être terminé. Réessayer. Non mais c'est bon, ça va. Donc on va tourner au centre de commandement. On va aller... Attends ça. Voilà, on peut refaire les missions en gros mais on n'aura pas forcément les mêmes mobs et les mêmes trucs au même emplacement. Donc après là ici, je sais pas à quoi correspond le 4 dessus. Je sais pas si c'est le grade du coup, grade 4. Qui a complexifié un peu... Complexifie plutôt un peu les choses. On va aller voir dans le hangar, logiquement, voilà, on voit notre vaisseau. On peut améliorer du coup les attributs, donc j'ai 4 en puissance. Je vais augmenter de 1, la structure plutôt de 2. Et je sais pas comment on voit... Combien j'ai de points disponibles et tout ça. A mon avis, ça utilise plutôt de l'argent. Quand je fais ça, ouais, c'est plutôt de l'argent que ça utilise. Donc, on va augmenter un peu encore la puissance, la structure et la navigation. Ensuite, ici, le stockage, je ne sais pas. Donc, ma order standard. Bouclier énergétique. Donc, ça, c'est pour les enlever et les remettre. Mais, non, je vais pas racheter un petit photo. Donc, ça, à mon avis, c'est pour les foutre peut-être dans le stockage quand on les désectionne. Pas de générateur d'énergie, ouais, donc en gros c'est des trucs qu'on va looter peut-être et qu'on pourra améliorer sur notre vaisseau directement. Par contre, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des nouvelles compétences du coup? Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des nouvelles compétences? Ça on l'a, ça on l'a. Donc il reste limite la compétence là. J'ai envie de dire, on va prendre ça, on va le mettre là. Et on va prendre celle-là et on va le mettre là. Et si compétences saut, débloque différentes variantes de compétences et choisis la plus appropriée à votre style de jeu. Ensuite après il y a des... Ah, il y a des autres compétences. Mais ça je pense que... Ouais, il faut les acheter. Compétences d'armement, on va l'acheter.
250 ça va, c'est pas trop cher. Du coup on va la remplacer on va la remplacer par celle-là. On va acheter tout, vraiment toutes des grosses compétences qui font bien mal. Le heal je le garde hein, forcément. Bah j'ai envie de dire, je vais acheter les compétences, de toute façon j'ai de l'argent. Je vais les acheter et je vais faire des modifications au fur et à mesure. Je pense de toute façon faire une seconde vidéo. Si vraiment ça vous intéresse. Est-ce que je peux... Quand vous détruisez un ennemi à proximité, évite toutes attaques de représailles et annule toutes les balles dans un rayon de 75 autour de votre cible. Ah, des crédits supplémentaires, ça peut être intéressant. Et ça, je pense que je peux le mettre dedans. Voilà. Ok, bon du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vraiment c'est ça vous intéresse tout. Tiens, je vais augmenter ma puissance. Puis la structure. Puis la navigation, puis encore la puissance. Voilà. Comme ça, j'utilise tout mon argent. Je pense faire une seconde vidéo sur le jeu, vraiment, si c'est intéressant et si ça vous intéresse également. N'hésitez pas à dire en commentaire du coup si vous voulez une autre vidéo sur ce jeu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, portez bien et à bientôt.